vous souhaiter à tous la bienvenue et à tous ceux qui nous écoutent. La distance n'est pas une barrière, le Seigneur omniprésent. Je voudrais ce matin que nous puissions célébrer le roi des rois, le Seigneur qui nous a donné la grâce, l'opportunité non seulement d'être parmi les vivants, mais d'être en sa présence. Je voudrais bien aimé ce matin que tu puisses demander au Seigneur de te pardonner de tous tes péchés. La Bible déclare tous son péché et sont privés de sa gloire. Quels que soient les péchés que nous avons commis, je voudrais ce matin que tu lui dises, Seigneur, j'ai péché contre toi. Oui, dis-lui, Seigneur, j'ai péché. Qu'as-tu fait? Si tu as volé, dis-lui, Seigneur, j'ai volé. Si tu as menti, dis-lui, Seigneur, j'ai menti. Si tu as convoité, dis-lui, Seigneur, j'ai convoité. Demande à l'Éternel Dieu de te pardonner. La Bible déclare, c'est lui qui pardonne tous nos péchés. Oui, il pardonne tous nos péchés. La Bible déclare que si nous demandons avec foi le pardon de nos péchés, alors il est juste et fidèle. Que l'Éternel Dieu nous pardonne et nous purifie de tous nos péchés. Je voudrais ce matin, bien-aimé, que tu demandes au Seigneur de te remplir de son esprit. La Bible déclare, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. C'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint qui sont appelés les véritables enfants de Dieu. Seigneur, ce matin, une fois de plus, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dieu de gloire, éternel des armées, qui est comme toi, dans les cieux et sur la terre, il n'y a point ton pareil. Nous te disons une fois de plus merci ce matin pour la grâce, le privilège que tu nous donnes. Merci Seigneur pour toutes les batailles que tu ne cesses de mener pour chacun de nous. Merci pour les multiples victoires. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Seigneur, nous voulons commencer ce culte et nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle total et absolu. Tout esprit ce matin, ô Éternel, qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole, nous mettons hors d'état de nuit. Nous chassons tout esprit qui ne glorifie pas Jésus. Nous déclarons que toute arme de l'ennemi forgée contre ce service soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses visiter chacun de nous, ici présent, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui nous écoutent, que ta grâce puisse les atteindre. Que l'honneur et toute la gloire éternelle te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, sans toutefois tarder, je voudrais inviter l'équipe de louange. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour tout le monde. Et avant de commencer, on veut souhaiter bonne fête à toutes les mamans. Il y en a qui vont être quatre fois maman bientôt. Mais on n'oublie pas que Dieu aussi, c'est notre mère. C'est notre père, c'est notre mère, c'est notre conseiller, notre ami. Ah, alléluia. Et avant de commencer la louange, on va prier un petit peu. Mais Seigneur Jésus, on dépose au pied de ta croix tout ce qui vient nuire à l'adoration de ton Saint-Nom pendant cette louange. Et nous renonçons, en tant que chantres et musiciens, à tout esprit de performance au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette louange.
d'un bout à l'autre. Prends le contrôle de nos voix, de nos instruments. Prends le contrôle du déroulement de cette louange. Car louer, c'est prier deux fois. Touche-nous, prépare nos cœurs pour l'adoration du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et on peut crier aujourd'hui avec certitude, Abba, Père. Je vous invite à vous lever, pour ceux qui peuvent, pour glorifier le nom de Dieu quand on vient dans sa présence. Bien avant de chanter, qui créa l'univers. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre.
pas avec nous autres, avec nos yeux humains, on regarde pour se dire ça se peut pas, ça se peut pas. Mais toi, il me semble de voir le visage des Hébreux sur le bord de la mer rouge, de voir l'armée égyptienne qui fonce vers eux, puis la mer qui tout à coup, à un moment donné, s'ouvre. Wow. C'est toi, ça, c'est toi, ça. On est tellement limité dans notre façon de voir les choses, de comprendre les choses. Et si on s'arrête aux circonstances, souvent ça nous bloque, mais et c'est là qu'on doit rester tranquille et attendre de devoir faire, de devoir agir et de tout te remettre en tête. Tu es là toujours parmi nous, présent parmi nous. Et ça, on ne doit jamais en douter. En toutes circonstances, tu es là. Je t'adore, tu es.
Tu agis parmi nous, Seigneur, et tu nous transformes. Tu prends nos caractères parfois un peu bougonneux, puis tu nous transformes. Et tout à coup, on se lève un matin et on s'aperçoit qu'on n'a plus la même façon d'agir. Et on se dit, wow, Dieu m'écrit. Ce trait de caractère que je n'aimais pas est parti. Gloire à toi, Jésus. Bénis-le abondamment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.